Bonsoir les amis, c'est les Stats 25, content de vous retrouver aujourd'hui sur Disney Dreamlight Valley. Alors la vidéo elle va être toute petite, mais c'est juste pour vous annoncer une grosse news qui vient juste de tomber sur le compte Twitter des développeurs, à savoir l'arrivée du nouveau pass, La Voix des Étoiles, donc saison 2 qui arrive le 19 octobre. Donc voyez, lors du lancement du jeu, on avait le droit à La Voix des Étoiles, c'est une sorte de saison pass qui va revenir régulièrement, on va pouvoir récupérer des éléments. Et ben là je vous ai remis en fait ce qui vient juste d'être annoncé sur leur compte Twitter, à savoir l'annonce de l'arrivée du nouveau Voix des Étoiles. On va pouvoir récupérer pas mal de choses, ainsi que le personnage de Scar qu'on peut voir à l'écran. Ça arrive le 19 octobre, ce qui fait qu'on va récupérer toutes les missions du personnage. On va pouvoir l'élever au niveau 10 comme les autres personnages. Donc ça va être beaucoup plus intéressant. Donc je vous ai remis, hein, vous voyez un peu. Donc il y aura plein d'accessoires fournis avec avec ce personnage-là. Donc voilà, ça vient juste de tomber. C'est tombé il y a quelques, voilà, une demi-heure que je viens juste de voir ça. Ça va faire du bien, parce que pour ceux comme moi qui ont déjà tout terminé, toutes les missions, on n'avait plus rien à se mettre dessous la dent, à part farmer, acheter et essayer de... Voilà. Donc, c'est plutôt cool, surtout que je pensais que finalement, lorsqu'ils avaient annoncé la mise à jour de Toy Story, allait arriver aussi le personnage de Scar. Finalement, on va l'avoir beaucoup plus tôt que prévu. Donc ça, c'est plutôt cool. En attendant la prochaine mise à jour avec un nouvel univers de Toy Story qui arrivera, à mon avis, donc apparemment d'après les mesures et les rumeurs, ça n'arriverait pas avant au moins début décembre. Donc voilà, donc du coup, ça va être plutôt intéressant, on va pouvoir rejouer enfin à de refaire en fait des nouvelles activités, ça va être plutôt intéressant. Et enfin, un nouveau Voix des Étoiles. Donc finalement, ils ont été assez rapides, hein, pour relancer le jeu. Ce qui fait qu'il va y avoir plein de défis pour récupérer les objets à thème, en fait, de Disney Dreamlight. Donc voilà, je voulais absolument vous le montrer. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi, en tout cas, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.